L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi de la première semaine du temps ordinaire. Lu par Patience Conoutier, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Mathias Cessin, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, versets 7 à 14. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais,
que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc 1, 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux de ce jour nous rappelle en partie l'épisode de la désobéissance de nos parents au désert et les conséquences de leurs actions. Dans notre vie quotidienne, il nous arrive nous aussi de nous laisser conduire par nos désirs et nos penchants qui nous éloignent très loin de la volonté de Dieu. Nous sommes invités à avoir un cœur bon, à ne pas nous laisser tromper par le péché. Et pour ce faire, il faut toujours demeurer dans la prière
en suivant les instructions du Christ. Est-ce que tu confies tes plans et tes projets à Dieu avant de les exécuter? Attends-tu sa réponse avant d'agir des fois? N'endurcissons pas notre cœur quand le Seigneur nous parle. Demandons au Seigneur la grâce du discernement lorsque nos penchants semblent dominer sur nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.